Zone TV. Le match opposant Udinese et Chelsea s'est soldé par un score de 3-1 en faveur du club anglais. Et comptant pour la préparation de la campagne pré-saison 2022-2023. Un match qui vient encore de rassurer les supporters du club sur l'apport ô combien important du défenseur central Kalidou Koulibaly. Une bonne recrue pour Chelsea. Ce n'est pas pour rien qu'il est souvent cité dans le top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde. Quelle classe! Le rock sénégalais vient de démontrer qu'il faut compter avec Chelsea la prochaine saison. Son duo avec Thiago Silva fait peur aux meilleurs attaquants du monde. La qualité d'un grand défenseur se mesure par sa capacité d'adaptation. Et il n'a pas mis du temps pour prouver qu'il est le vrai patron de la défense. Dans ce match, le capitaine des Lions du Sénégal s'est encore illustré par ses interventions de haute facture, une maîtrise du jeu et des relances impeccables. Koulibaly, c'est aussi une assurance garantie dans la charnière centrale. Sa complicité avec son coéquipier en équipe nationale, Idou Armendi, laisse présager une belle saison à Chelsea. Et pour Edouard Mendy, notons que lui aussi a fait un bon match, même si des fois on lui reproche d'encaisser quelques buts faciles à éviter. Le seul du match qu'il n'a pas pu éviter est dit certainement à sa sortie hasardeuse lors d'un contre-attaque d'un joueur d'Udinese. Pour ce match victorieux de Chelsea, il faut aussi souligner la belle prestation du talentueux milieu de terrain français N'Golo Kanté, avec un superbe but permettant à son équipe de mieux entrer dans le match. Et aussi les belles performances de la nouvelle recrue du club, l'attaquant Raheem Sterling, lui aussi attendu de pied ferme par les fans des Blues pour voir s'il serait capable de répéter ses exploits de la saison passée. Mais la meilleure action du match pour Koulibaly, le natif de Saint-Dié-des-Vosges, a été son magnifique tacle dont lui seul a le secret. Un geste technique bien maîtrisé qui stoppa net un attaquant d'Udinese qui filait tout droit vers le but. Merci, un énorme plaisir de vous accompagner et merci aussi de nous suivre. Et on se donne rendez-vous pour d'autres analyses sur le foot. Continuez de vous abonner et à bientôt. Zone TV.